L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travailler en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole nous aide à te plaire en toutes choses. Que cette parole nous aide à sauver nos âmes. Seigneur, que nous ne soyons pas trompés par l'adversaire, par de fausses doctrines, par des esprits de séduction. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Et nous te disons merci, Père. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit qui nous aide à être plus que vainqueurs. Que chaque personne ici puisse vraiment marcher avec ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, étant guidé par son esprit. Nous demandons ces choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sauver son âme n'est pas automatique ou exempt de tout effort personnel. Il y a trop de fausses doctrines qui circulent. Beaucoup trop de chrétiens pensent que parce qu'ils ont été baptisés, parce qu'ils ont eu quelques frissons, spirituellement parlant, parce qu'ils sont membres d'une église, qu'ils seront sauvés. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils ont été utilisés de manière miraculeuse, parce qu'ils ont prophétisé, parce qu'ils ont chassé des démons, parce qu'ils ont fait ceci ou cela, que tout sera bien au jour du jugement. Jésus-Christ a dit que non. Dans Matthieu 7, il a dit qu'il y aura des gens rejetés qui vont dire de telles choses. Ce qui compte, c'est d'obéir au commandement du Christ. Uniquement les personnes qui persévéreront jusqu'à la fin, marchant dans l'obéissance au commandement du Christ, seront sauvés. Et pour qu'on arrive à marcher ainsi, nous devons recevoir notre force du Christ, de sa parole, de son esprit. Si Paul parle du fait de travailler, il s'agit d'une coopération avec l'Esprit du Christ.
Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et nous devons veiller sur nos paroles, sur nos attitudes. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Lisons un instant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Vous savez, il y a des gens qui enseignent carrément que si vous acceptez le Christ, vous êtes baptisé, vous avez fait ceci, cela, c'est pas possible que vous perdiez votre âme. Mais si c'était pas possible, pourquoi est-ce que Paul a parlé du fait de craindre et même de trembler? Ça n'a aucun sens. Sinon que nous pouvons nous éloigner du Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, lisons à partir du verset 8, nous voyons déjà le vrai salut. Il y a des gens qui, avec la tête, croient en Dieu, croient en Christ, mais ils ne croient pas avec le cœur. Il n'y a pas un vrai amour. Et ces gens n'ont jamais été vraiment transformés par le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, comme je l'ai dit ce matin, Dieu a un plan pour votre vie. Est-ce que vous allez murmurer en disant, mais Dieu, ce n'est pas mon plan. Moi, j'ai un autre plan personnel. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui n'ont jamais, mais jamais renoncé à leur propre volonté. Ils ont une idée en tête. Je vais me marier avec une blonde, etc., etc. Sans demander l'avis du Seigneur. Je vais être ingénieur. Je vais gagner beaucoup d'argent. Vous savez, mon meilleur ami d'enfance m'a dit ça. Et j'ai prophétisé qu'il allait devenir pasteur. Il refusait de me parler pendant des semaines. Et il est allé à l'école pour devenir ingénieur. À l'université. Et ça n'a pas marché. Il ne voulait toujours pas être pasteur. Mais Dieu a fait toutes sortes de choses. Et finalement, il se trouvait comme responsable de la musique dans l'église où je me suis converti. Et même avant, il y avait un évangéliste qui l'a demandé de voyager avec lui. Et de temps à autre, il a insisté qu'il prêche aux jeunes. Il a accepté. Je dois vous dire que on présentait des concerts chrétiens ensemble depuis l'âge de 12 ans. Et il refusait carrément de dire un seul mot. Il m'obligeait de tout faire. Tout dire. Et moi, j'étais quand même timide à cet âge-là. Mais quand le Seigneur m'a parlé pour lui, je savais que la chose allait se réaliser. Je ne prophétise pas dans le sens de prédire très souvent, mais quand je le fais, ça arrive.
Il y avait une église complètement divisée, avec peu de gens restants, dans une ville qui avait environ 100 000 personnes, la ville de Grand Rapids au Michigan. Et on lui en a parlé, et il a accepté de devenir le pasteur de cette église. Les gens étaient très, comment dire, ils étaient prêts à accepter n'importe qui comme pasteur, parce qu'ils n'avaient jamais fait l'école biblique. Ils n'avaient jamais étudié pour être pasteur. Il y avait peut-être une centaine de personnes qui restaient, de 300 que l'Église avait avant. Il y avait une division horrible. En 25 ans de ministère, dépendant de Dieu par le jeûne et la prière, apparemment il jeûnait 40 jours chaque année. Quand il est parti de l'Église, il a laissé 12 hectares de terrain couverts de parking, une salle de 1700 places, une autre salle de plus de 6000 places, une école privée de plus de 2000 étudiants, et il y avait jusqu'à 8000 personnes qui venaient les vendredis soirs. Dieu peut se servir des gens timides s'ils reçoivent le Saint-Esprit et dépendent de la prière. Amen. Est-ce que vous avez envie d'être utilisé par le Seigneur? Jeûnez, priez et parlez du Seigneur. Priez par l'Esprit. Veillez sur vos paroles, sur vos attitudes. Dans Éphésiens chapitre 4, pour sauver nos âmes, nous devons veiller sur nous-mêmes. Et nous devons vraiment tout faire pour ne pas offenser le Seigneur, pour ne pas offenser et attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que nous avons eu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit ou avec le Christ que notre place dans le ciel est assurée. Malheureusement, le diable a des milliers d'années d'expérience pour faire tomber les gens, pour les éloigner de la vérité. On voit, on constate les problèmes que les apôtres avaient avec des collègues, avec des foules de croyants parfois. Dans 1 Timothée 1, au verset 18, Paul a dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est difficile à imaginer des gens qui étaient des collègues et apparemment des prédicateurs qui voyageaient avec Paul. C'est difficile d'imaginer comment de telles personnes
pouvait tomber aussi bas. C'est une chose de tomber dans le péché, c'est une autre chose de se laisser tromper à tel point qu'on blasphère. Malheureusement, je connais des gens qui ont été mes collègues, qui se trouvent exactement dans le même cas que ces personnes mentionnées par Paul. Et oui, dans un cas, j'ai fait exactement ce que Paul a fait. Nous devons veiller sur nos attitudes, sur nos paroles. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Il nous invite à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ensuite, il dit, renoncez aux mensonges. Est-ce possible que les chrétiens mentent? Ananias et Saphira, sa femme, dans l'Église primitive, selon Acte, ont menti. Beaucoup de chrétiens ont décidé de vendre des terrains, des propriétés. C'était spontané, personne ne l'a demandé. En tout cas, ce n'est pas mentionné. Ils vendaient et donnaient tout l'argent aux apôtres pour les nouveaux convertis. La raison pour laquelle ils devaient aider ces nouveaux convertis pendant un temps, c'est que les personnes qui ont parlé en langue, ou plutôt qui ont entendu parler en langue, qui se sont converties grâce à ce miracle, n'étaient pas de Jérusalem. Ces gens, pour la plupart, étaient là pour la fête juive de la Pentecôte. Et il fallait qu'ils restent après leur conversion pour recevoir l'enseignement des apôtres avant de rentrer chez eux. Donc, il fallait qu'ils soient hébergés, qu'ils aient la possibilité de manger. On ne sait pas pendant combien de temps ils sont restés. Mais ces chrétiens nouvellement remplis du Saint-Esprit étaient prêts à faire beaucoup de sacrifices pour les aider. Mais voyons ce que les autres faisaient, Ananias et Saphira, sa femme, ont dit, et nous allons faire de même, et nous allons garder la moitié de l'argent pour nous. Cette histoire n'est pas très bien pour les gens qui ne veulent même pas donner la dîme, 10%, parce que ces chrétiens-là donnaient tout, 100%. Mais en fait, personne n'exigeait quoi que ce soit. Et il n'y avait aucune raison qu'il donne la totalité de la vente. Mais il voulait dire que c'était la totalité. Il voulait être comme les autres. Donc ils ont menti. C'est pas grave, n'est-ce pas? Tout le monde ment. Les politiciens ne font que de mentir. Personne ne pense que c'est grave à notre époque. Demandez à la personne à côté de vous, est-ce que c'est grave de mentir?
Selon l'Apocalypse 21, verset 8, c'est grave. Tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu. Tous. Tous. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Pierre leur a donné l'occasion de confesser que ce n'était pas la totalité de l'argent. Ils savaient. Vous savez, c'est très mauvais de mentir à un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Ça m'est arrivé plus d'une fois de savoir en avance que les gens me mentaient. Parfois, je savais même avant que la personne vienne ce qu'elle allait dire. C'est terrible. Les deux sont tombés raides morts aux pieds de Pierre. Morts. Aucune autre possibilité de se repentir. Vous savez, de plus en plus, la prophétie est en train de s'accomplir. Les gens appellent le bien mal et le mal bien. Et c'est de cette manière-là que les chrétiens vont être persécutés de plus en plus. Parce que les gens du monde voient et comprennent exactement dans le sens contraire. En fait, ils ne comprennent rien du tout. Ils ont la conscience, l'intelligence obscurcie, selon Paul. Et le diable est là. Ces démons sont là pour nous pousser à la faute. Combien nous devons vraiment dépendre du Saint-Esprit? Combien nous devons dépendre de Jésus-Christ, permettant qu'il nous transforme et qu'il nous garde. J'aime beaucoup ce que le Seigneur dit dans Jean 10. On va revenir à Éphésiens 4. Dans Jean 10, il a dit au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas quitter sa main nous-mêmes. Et ça ne va pas être la faute des démons ou de quelqu'un d'autre si on fait cette erreur. Jésus fera toujours tout pour nous sauver. Il veut sauver tous. Il veut garder tous. Il veut nous présenter au Père irrépréhensible et dans la joie. Je vous invite à vous lever un instant. J'ai une suggestion. Mangez moins entre les repas, entre les réunions. Ça va vous aider à rester éveillé. Moi, je mange moins parce qu'une fois, je n'étais pas en train de prêcher et je suis presque tombé de ma chaise. Vous pouvez vous asseoir. C'était pour vous réveiller que j'ai demandé ça. Le diable va nous pousser à l'orgueil, à l'insoumission,
à douter de la bonté de Dieu, exactement comme il a fait dans le jardin avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Mais combien de faux pasteurs, de faux leaders religieux parlent comme le diable quand il s'agit de choses qui sont tellement claires, mais ils arrivent à inverser totalement le vrai message. J'ai beaucoup de mal, mais beaucoup de mal à parler à de telles personnes avec calme. Mais je ne suis pas le seul. Lisez Matthieu 23 et vous verrez comment Jésus avait du mal aussi avec les faux qui tordaient la parole de Dieu pour leur propre bénéfice. Si jamais le diable vous pousse à douter de la bonté de Dieu, commencez à citer ses promesses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou le psaume 27, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ou Jérémie 29, je vais le lire. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est le verset 11. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est une promesse pour Israël et pour tous ceux qui font partie d'Israël spirituel. Et la Bible est remplie de telles promesses. Dieu désire pardonner tous nos péchés et guérir 99% de nos maladies. Ah, merci. 100%. Amen. Toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Il veut nous délivrer de l'adversaire. Le péché sera toujours un problème. Et nous aurons des efforts à faire, mais des efforts qui seront possibles grâce à la puissance de Dieu en nous. C'est quoi notre effort? C'est le fait de prier, de chercher véritablement sa face. C'est le fait de jeûner, de prier par l'Esprit. C'est le fait d'aller vers les non-convertis. Vous voulez aller en enfer? Si vous voulez aller en enfer, oubliez les autres. Vivez de manière égoïste. Ne témoignez jamais. Celui qui suit le Seigneur sera sauvé. Celui qui suit le Seigneur deviendra un pécheur d'homme. Est-ce que vous avez gagné des âmes?
depuis votre conversion? Est-ce que vous cherchez les âmes? Est-ce que vous avez chassé la timidité de votre cœur afin de leur parler? Est-ce que vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à chasser la timidité? Paul a dit à Timothée, je l'ai cité ce matin, de Timothée chapitre 1, versets 6 et 7. Timothée était un jeune prédicateur, craintif et timide. Paul lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Ses disciples l'ont abandonné. Pierre l'a renié en blasphémant parce qu'il n'avait pas encore appris même comment prier. Et il n'avait pas encore jeûné une seule fois. Nous devons veiller et prier pour ne pas tomber nous-mêmes. Et nous devons veiller sur les autres, dans l'Église et ailleurs. Nous devons surtout prier quand nous voyons un frère ou une sœur en Christ qui n'est pas encore libre pleinement du pouvoir du péché. Car selon 1 Jean 5, une telle personne n'a pas la vie. Dieu veut que nous soyons libres du pouvoir du péché. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre? Vous savez, il y a des gens qui sont libérés au début de leur conversion, mais développe des problèmes après des années. Se laisse tenter, séduit par le péché. Ils sont à l'Église, mais en fait, ça ne va pas du tout. Et beaucoup quittent l'Église parce que ça ne va pas. C'est à nous d'intercéder pour que tous soit gardé. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ intercède pour nous. Et il nous demande aussi d'entrer dans ce ministère d'intercession. C'est tout ce que j'ai à dire cet après-midi. Mais nous allons prier maintenant. Nous allons prier les uns pour les autres. Est-ce que vous avez besoin de prière? Moi, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de vos prières. Souvent, les gens pensent que les pasteurs, ils n'ont aucun problème. Ils ne sont jamais attaqués par le diable. Leurs familles ne sont jamais attaquées. Ils sont tous protégés. Personne n'est protégé, à moins qu'on prie beaucoup. Amen. Je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin de prière, venez vers le devant. Élevez vos mains vers le ciel. Demandez sa grâce pour être gardé debout dans la foi. Et que nous ayons toujours une bonne conscience parce que nous avons sa victoire. Père Céleste, fais grâce. Fais grâce. Nous ne méritons rien de ta part. Les hommes sont pécheurs. Mais nous dépendons de ta grâce. Nous dépendons
de ta force, de ton esprit. Garde l'Église debout dans la victoire. Que Satan soit écrasé sous nos pieds, selon l'Épître aux Romains. Que tout soit rempli du Saint-Esprit et reste rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que tous arrivent à abandonner toute habitude mauvaise, tout péché. Et que nous n'ayons plus envie de faire quoi que ce soit qui est contre ta volonté. Que nous ayons une haine dans nos cœurs pour le mal. Que le Saint-Esprit nous éloigne des pièges du diable. Que nous ne soyons pas en contact avec les mauvaises personnes. Seigneur, fais de nous des gagnants d'âme. Fais de nous des gagnants d'âme. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur nous tous. Que les faiblesses disparaissent. Que toute maladie disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans nos cœurs. Pas uniquement les dimanches, mais tout au long de la semaine. Et que ce feu attire les autres à toi. Je vous invite à élever vos voix, à prier comme je viens de prier. Priez pour tous. Hallelujah.